dark, you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind and shit. I tied a beat up, then I fuck it, yeah, I'm on some violent shit. Woo! Don't wanna tell you again. Woo! I might tell the bitch to bring a friend. Drop the top and open up the roof, now that's a quick stop. On it real, diamonds round my pink, you got on ring pops. Cartier around my fucking wrist, take off that wristwatch. The crew is something serious, don't mess with us, you hearing this. Thinking you gon' make it to the top, man, you delirious. I'm only spitting real shit, I'm only writing facts. And yeah, I swear I gotta take the weight up off my back. I got all of the shit that's on my chest, but I'm still killing it, I'm kinda tipped. Hey, salut à tous, c'est Kerry Cross, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc je présente une MT, donc la MT de Guillain. Donc je mettrai son Instagram dans la description. Et allez voir sa chaîne aussi YouTube que je mettrai pareil dans la description. Donc tu l'as payé combien ta MT? La MT, je l'ai acheté 5200 euros d'occasion. D'accord. Donc le gars a fait genre un an avec. L'avait payé, je crois, 6000 euros neuve, un truc comme ça. Donc je l'ai acheté il y a 2 semaines. Et elle a 27 000 km. Ok. Et avant, t'avais une autre moto ou pas? Ouais, j'avais aussi une MT-07, mais de 2017, les phases avant. Enfin, les phases d'avant avec l'optique différente et plein d'autres éléments différents. C'était une Blu-ray, je crois. Ouais. Et donc là, j'ai voulu repartir sur du noir et tout pour que ça soit plus discret ou quoi. T'avais un covering aussi sur celle d'avant? Sur l'autre, ouais, j'avais un covering aussi. Et je sais pas si je remets ça sur celle-là, quoi. Et c'est quoi la différence que t'as vu par rapport à celle-là? Celle-là, elle a plus la gouache. Il faut que je te montre après. Ouais, du coup, on vous montrera une vidéo juste après que celle, la présentation soit finie. Surtout le banc de puissance qu'elle a passé. Donc, de base, elle est bridée en A2. Mais avec la ligne, apparemment, elle gagne genre 5, 3 chevaux, un truc comme ça. Elle a 50 chevaux wow. Au lieu de 47,5. Mais après, ça m'intéresse pas parce que je vais la débrider quand même, tu vois. Et le pot, c'est pas les pots d'origine? Si. Non, alors non. Là, on est sur une ligne Arrow complète. Donc, il manque juste un catalyseur dedans qui reste. Ouais, t'as retiré là, la chicane. Ouais. Tu me connais. Bah ouais. T'as les trucs propres avec Guillain. Bah ouais, attends. Du coup, ouais, il va nous faire écouter le bruit. Bah elle est froide, je vais pas tirer dedans. Mais des chicanes. Elle est un peu sale aussi parce qu'il a pas eu le temps de la laver. Mais... la puissance. Ça souffle, mais pas autant qu'un SC Project. Ouais. C'est différent. Et là-dessus, tu peux remettre un SC Project ou pas? Parce qu'il faut savoir qu'avant, il avait un. T'avais quoi comme ligne du coup? Bah, SC Project S1, je crois. Complet sur. Mais là, je peux remettre ça sur celle-là, mais je sais pas si je le ferai. Parce que ça coûte cher, non? En fait, je sais pas. Je pense que si je revends cette ligne, en soi, elle vaut plus cher, mais je sais pas combien je peux la revendre. Et auquel cas, racheter, tu vois, une SC Project. Mais c'est surtout histoire de pas me faire emmerder, en fait, ouais. Par la police. Donc, c'est pour ça que je préfère garder celle-là. Elle est homologuée, celle-là, au moins. Et du coup là t'as un rétro en moins, c'est ça? Ouais, y a un rétro en moins, je t'explique. Déjà ça c'est un truc que je déteste, je l'ai acheté comme ça. Avec les rétros, il y avait le même ici de l'autre côté. Mais de base moi je préfère vraiment ceux d'origine, pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus du guidon. Et quand tu fais de l'interfil en moins ça gêne pas, tu vois. Ouais. Alors que là bah, c'est le cas pour lequel il n'y a plus de rétro ici. C'est que j'ai tapé une voiture en interfil et il s'est barré tout seul en fait le rétro. Ah oui ouais, c'est... en fait c'est des petites tiges hein. Ouais, j'ai pas pu le rattraper, ouais, c'est... sur le périph' j'allais pas m'arrêter ou quoi. C'est léger. Mais en soi je garde des rétros en réserve, j'en ai en réserve. Sauf qu'il faut mettre un adaptateur et tout que j'ai plus, c'est compliqué quoi. Ah ouais c'est ouais. Dur à mettre ouais. Non c'est pas dur à mettre mais je les ai pas, il faut que je les trouve. Et du coup par rapport à la consommation que de la MT que t'avais avant, c'est pareil ou elle consomme vraiment, pareil? En fait moi je roule vraiment toujours comme un fou quoi. Donc c'est pareil la consommation, j'ai pas vu de différence en fait. Ok et sinon les changements qu'il y a, du coup tu m'as dit la face avant. Alors, ce que j'ai en plus par rapport à de la MT, ouais, changement, alors j'ai l'optique avant, c'est celui des MT-09. Le placement des clignotants et feux de position qui est différent. Avant il était plus vers le guidon. Ouais. Donc il y a tout le réservoir qui a été modifié. Donc il est plus large. Tu vois, elle est plus basée à l'avant, tu vois, et même l'arrière est un peu raccourci, j'ai l'impression. Avec un optique qui a carrément changé et tout. Après moi vraiment l'arrière j'aime beaucoup moins. Ah ouais, avant je préférais vraiment l'optique plus pointue ou quoi. Sinon après on reste sur la même dimension des pneus etc, rien n'a changé, les jantes. Moi je pense que c'est la même, en vrai je me suis pas du tout renseigné mais t'as vu je pense que même ouais, je pense que c'est pareil. Ce qui est de la base de la moto ça doit être la même. Ah oui, il y a même les liserés blancs. Ouais que je déteste. Ah c'est ce que j'ai essayé d'enlever sur le pneu à l'arrière.
sur la jante à l'arrière, regarde. Ah ouais. Mais j'arrive pas à les enlever. J'aime pas du tout, moi je voulais qu'elle soit full black. Ah ouais. Donc peut-être que à la limite, tu vois, les vis, elles vont être changées. Ah ouais, carrément. Ouais, je vais mettre des trucs tout noir, vraiment. Tu les repeins ou t'en rachètes? Ouais, peut-être les repeindre. Ouais. On va pas se pigeonner, tu vois. Peut-être la grille aussi à l'avant, la peindre en noir. Ah ouais, la grille aussi. Ouais. Et sinon faire un petit covering comme t'avais fait sur l'autre. Je suis pas sûr. Peut-être si l'été vient, je vais me chauffer, tu vois. Je vais vouloir un truc un peu particulier. Ah ouais. Mais avant, non. Et là, par rapport au compteur, est-ce que tu peux nous la démarrer juste pour voir? Ça a changé ou pas le compteur? Non, pas du tout. Regarde, c'est la même chose, vraiment. Ça a vraiment mal marché. Et comme tu me disais, je sais pas si c'est normal ça. Ouais, là, le petit trait rouge. Ceux qui ont DMT, les gars, dites-nous dans les commentaires si c'est normal ou pas. Parce que je me rappelle pas de ça sur l'autre. Bizarre. Ce que j'ai en plus sur cette moto que j'avais pas sur l'autre, ouais, c'est le truc USB, tu vois. Wow, en plus t'en as deux, stylé. Ouais, j'en ai deux, c'est pas mal. C'est pour le casque, parce que j'ai le Senna. Ouais, le Senna 3S que j'ai présenté. Voilà, j'ai le même. Et le téléphone, tout ça. Et puis même ouais, pour cool. Ton passager. Ce que j'ai aussi en plus, c'est ça, le top block, je crois que ça s'appelle. Ouais, ça s'appelle un top block. J'avais pas. Quand on tombe. Et ouais, vraiment là, ouais, c'est je utile, regrette ça. De pas avoir mis ça sur mon autre moto. Mais là si, quand même, si tu la tombes, les rétros, non, par rapport au rétro, c'est un peu grand, non? Ouais, le guidon prend quand même, tout ça, mais bon. Ouais, mais c'est moins, ouais, c'est intéressant. C'est le moteur, c'est, ouais, c'est ouais, le plus important, c'est le moteur. Tout ça, j'ai pas envie de les tuer, quoi. Qu'est-ce que j'ai de plus aussi? Vraiment, je sais pas. J'ai rien d'autre de plus. Non, sinon, elle ouais, est pas non plus équipée de ouf. Non, quand même, ça va. Et t'as des projets, du coup, par la suite, du coup, changer les vis? Grille de radiateur aussi. Ah oui, la grille, oh là là, ça, elle est belle. Avec le MT07. C'est propre. Bon, du coup, on va passer du coup au test. Donc, c'est Guillaume qui conduira pour la vidéo. Parce que de 1, j'ai pas le permis. De 2, je sais pas conduire les à boîte. Tu peux la conduire. Hein. Non, mais je sais pas conduire. J'ai jamais appris à conduire les trucs à boîte. C'est pas mon point fort. Lui non plus, il avait jamais conduit. Il s'est pris un mur. Hein. Ah ouais. Et tu peux le filmer. Regarde sa tête. Là, il est en train de passer le permis en plus bientôt. Ah là là. Mais tu vas voir. Ok. Complet. Vous risquez d'y laisser votre peau. Thank you.
fait quand même du bruit hein, par rapport à... Enfin, je vais pas dire par rapport parce que la SL Project c'était beaucoup plus. Mais elle crache quand même, ça va. Je pense à un truc, il faudrait que je vienne avec un T-Max sur la chaîne.
Pour tes abonnés, ça dit quoi? Abonnez-vous à Kirikros. Kirikros.